Yo. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur New Gundam Breaker. On va continuer notre comment on appelle ça? Ah, on va continuer notre aventure quoi dans l'école. Comme vous pouvez le voir, le Gundam a changé. Quand même, il est tellement changé que je vais laisser l'ancien nom, mais c'est pas grave, on va le laisser. La dernière fois qu'on s'était laissé, on venait d'arriver dans une nouvelle école et on s'est vite aperçu que dans cette école, il y avait un conseil des étudiants, ou je ne sais quoi, qui contrôlait toute l'école. Et nous, on a décidé avec nos autres élèves. On a décidé que non, en fait, on voulait pas, c'était pas possible. Donc voilà. Donc on va continuer tout de suite. Alors oui, il a changé parce que vous vous souvenez ici, le scénario là, j'avais pas réussi en fait, il était A au lieu de S, et donc je l'ai refait, je suis tombé sur 2-3 pièces, et donc voilà. Et on était ici. Je te préviens, Yui, fais attention à ce que tu fais. C'était quoi déjà Side Zero? Des rumeurs commencent à circuler et certains pensent qu'on était complices parce qu'on est dans la même classe. Franchement, ça craint un max. Les complices? Et beaucoup d'élèves se font prendre leurs pièces par Shield of the Place. Maintenant, toi et ton petit groupe êtes entièrement responsables. Oh putain, les Shield of the Place là, ils sont relous. Je te rappelle que si on doit supporter ce conseil actuel et ses règles stupides, c'est parce que ton propre conseil était trop faible. Et maintenant, tu te la joues façon combattante révolutionnaire ? J'ai vu ton combat contre le vice-président. Tu t'es fait réduire en bouillie, n'est-ce pas? Et l'écart entre vous a encore augmenté depuis, je me trompe? Non, je me suis entraîné à fond. On s'en fiche de ton entraînement et de tes progrès. Il n'y a que les résultats qui comptent. C'est la base du combat Gunpla dans cette école. Gunpla,
れれば入れただけ愛着も湧くもの。Non, c'est faux. Le simple fait de construire des gunpla est amusant. Et plus on les modifie, plus notre passion pour eux grandit. じゃあずっと一人で作ってればいいじゃん。私らを巻き込まないでよね。Alors va-t'en, va construire des gunpla de ton côté et ne nous mêle pas à tout ça. Ouais, elle n'est pas toute seule. Kimi ? Nanda yo, ome wa. Hakuba no oujisama Kidori ka ? Douse nara, fuun saiki ni demo notte kuru nda na. Est-ce que tu veux que le chevalier blanc qui vient sauver la demoiselle en détresse ? Eh mais dans ce cas, tu devrais pas piloter un Funseki plutôt. Oublions ça et rentrons. Mes parents ne sont pas à la maison, donc tu sais ce que ça veut dire. On va rester debout toute la nuit pour coller les nouvelles décalcomanies que j'ai achetées. Et tu n'as pas encore fini les devoirs quand... Bon, laisse tomber, allons-y. Je peux te dire que moi, si... Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je pense qu'ils vont pas faire que coller des calcomanies, vu la manière qu'elle le dit. Tu as vu ce qui s'est passé et tu t'es inquiété pour moi, n'est-ce pas? Ça arrive beaucoup en ce moment, je suis désolée. J'ai décidé de devenir plus forte pour toi. Quelqu'un que tu pourrais admirer, mais... Peu importe, je vais bien maintenant. Tu veux bien exaucer encore... non, quoi? Évacuer encore un peu de frustration avec moi? Bien sûr. J'ai pas le choix des réponses, donc forcément, bien sûr. Génial, merci! Oui, ça va bien. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. D'accord. Je vois. Ah bah oui, forcément. C'est bon, j'ai appuyé. Ah voilà. Veux toujours combattre. Allez. Exo. Ouais, donc comme je disais, j'ai transformé le Gundam et j'ai oublié de changer son nom. Ah, j'ai pu. C'est bon? Ah non, on est à 7 sur 10. Ouais. Bon, on a réussi. Qu'est-ce que je dois faire? Détruire 15 unités? Ça me paraît pas insurmontable.
Les gars, vous vous mettez à côté de moi, sinon je peux pas vous taper. Oh non mais... Il faut que je change. Y'a pas. Hein. Alors lui je l'ai... Eh merde. J'ai déjà... Dépêche. C'est bon. Mais arrête de... Voilà. Que je dois faire vite récupérer la pièce. Allez là. Attends, elle est où la boîte? Elle est là-bas. Voilà. Détruire le vaisseau, non je peux pas. Et détruire la cible. 4. Où? Je veux bien, mais les cibles. Moi que je dois détruire des filles? Ouais, je pense. C'est ça. Récupérer la pièce. Elle est où? Elle est là-bas. Voilà. La pièce, elle est par là-bas. La pièce, pas la pièce. Ouais, c'est la couleur qui fait ça. Détruire la cible. Et y'a quoi aussi? Ah, t'es là toi? Bah vas-y. Je sais pas si je tape assez fort. Ah, si quand même. Oh!
Voilà, vite, à sa jambe. C'est eux que je veux taper. N'importe. Mais non, reviens. Bon. Là, je suis obligé de laisser une pièce. Ah, mais je veux. Là, elle est là. Je me suis remis à. Du coup, je me suis remis à. Je re-regarde les. Comment on appelle ça? Waouh! Danger! Lâche-moi. Hop, ferme. Oh. Il est là. Mais non, pas toi, dégage. Oh là. Je vais mourir. Il me faut des caisses. Des caisses. Ouais, je me suis remis à Gundam Build Fighter. Il est où? Non, là-haut. Ah. Je vais te défoncer. Pourquoi l'énergie a rond? Pourquoi je peux plus tirer avec mon canon? Vaisseau. Le truc, il est giga grand, j'arrive même pas à le voir. Ah ouais, mais là-bas. Elle est où l'autre? Elle est là. Oh non! Ça me saoule! Ça me casse la tête! Regardez tout ce que j'avais pris! En plus, il y avait les astrées et tout. Je vais devoir recommencer. Déçu. Je vous cache pas. J'ai pas de force de frappe de. Comment on appelle ça? Avec mon canon? Ouais, c'est bon, on va pas se retaper toute la parlotte. Hein.
C'est vrai que hein, un Gundam avec des bonnes couleurs, ça change vite le truc. Ça le rend pas plus fort, mais au moins on l'apprécie plus. Ah, ma boîte est là. Ah, c'est bon. Ah merde! Attends, c'est où? Attends, là-bas. Non, merde, de l'autre côté. Relève-toi! Je vais le détruire tout de suite hein, parce que il va me souper. Allez, vol! Il est où? Je devrais le voir, il est tellement grand. Là-bas. Ok. Non, pas là. Je peux plus tirer! Je fais n'importe quoi, je suis pas productif. Voilà. Thank you.
Tire, pourquoi il veut pas me tirer? Ça me saoule. Et voilà, je suis pris dans le... Dégage. Si, dégage. Et voilà, on a échoué au niveau de la quête. Ça me saoule. Il est là. Bam! On l'a défoncé. Bon, j'ai fait moins bien. Et on l'a eu. Ah putain, j'ai rien eu. Nandaka, Koshite Kimi to issu ni battle shite ru to mukashi no koto iroiro omoidashichau na. Et je ne sais pas pourquoi, mais combattre comme ça avec toi me rappelle toujours le passé. Ano koro yoku issu ni ganpura tsukutte ta yo ne. Tous les gunplas qu'on fabriquait ensemble à l'époque, du matin au soir jusqu'à ce que nos parents s'énervent. Et même quand tu étais puni, tu continuais à assembler discrètement les draps, pas vrai? Oui. Super. Je suis plus vieille que toi, mais tu as toujours été meilleure que moi. Je ne suis vraiment douée pour rien à part en Gunpla. J'ai toujours aimé les gunplas que tu assemblais. T'étais, comment dire, tu mettais tout ton... Et qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que je finis toujours par raconter des trucs embarrassants? Bref. Bref, je vais bien. Si j'étais vraiment toute seule, peut-être que j'aurais fini par abandonner. Mais maintenant, en plus d'Iori et de Morika, tu es avec moi. Je n'ai vraiment aucune raison de me plaindre. Je ne perdrai plus, nous allons réussir ensemble. Ouais, mais... Garde vite fait, mais normal. J'ai toujours pas de nous. J'aurais bien voulu mettre cette épée là. Au moins une épée quoi. Parce que la hache.
Ah ouais, j'ai le même en 144 ou en 100. Bon, pour l'instant, je vais le laisser en 100 parce que c'est vrai que j'ai mis des trucs en 100, mais. Ah oui, c'est gens. D'accord, j'ai la tête. On va continuer, hein. Side Zero no koto, zuibun yumei ni natte kita mitai ne. On dirait que Side O commence à devenir célèbre. Jissai ni Laplace no tate no memba o taoshite imasu shi ne. Shikashi, yosou ijou ni joufou no dentatsu ga hayai you desu. Eh bien, on a battu les membres de Shield of the Place après tout, mais j'avoue que la nouvelle s'est répandue. Que je ne pourrais croire. Ça fait un peu peur quand même. Mais on ne peut plus revenir en arrière maintenant. Regarde les choses. Là, je recommence. On ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, on regarde les choses sous cet angle. Nous allons inspirer tous ceux qui ont passé l'essai des étudiants. Soulèvent face à l'action. Ouais, enfin, pour l'instant, les premiers qu'on a rencontrés nous ont gueulé dessus. Je vois, c'est vrai que ce serait bien, mais pour l'instant, on se fait juste harceler et mettre à l'écart. Que veux-tu? La vie n'est pas toujours facile. Oh, leur v'là, lui. Hey, salut. Bien joué un peu. Morita-kun, Morita, qu'est-ce que tu fais ici? Gunpla builder 同士がぶつかって battle 以外に何するってんだ? Oh, on se calme. Quoi que font les constructeurs de Gunpla quand ils se croisent? Battle 以外のもっと親密なお付き合いがお望みか? À moins que tu aies envie de passer un peu plus de temps avec moi, dis-nous. Morita-kun, kawatta-yo-ne. Mae wa sonna hidoi koto yuu hito ja nakatta. Et dégoûtant. Tu as changé pour une. Pas un crétin pareil avant. Ouais, Yui. Oh là, Yui. Tu aurais été un mec sympa avant. Comme maintenant. Alors, qu'en dis-tu? Je plaiderai en ta faveur auprès du conseil des étudiants, laisse tomber ces minables et rejoins notre équipe. En plus, je dois bien l'avouer, tes techniques de Gunpla sont plutôt bonnes. C'est hors de question. Hors de question, vraiment. Vraiment. Bon, dommage, tu me laisses pas le choix. Dans ce cas, je vais devoir te convaincre par le combat encore. Si jamais tu parviens à gagner, même si je vois vraiment pas comment, tu ne me reverras plus jamais. Je te donnerai des pièces de Gunpla que j'ai volées comme les contre les autres nuls. C'est vraiment une bonne prise. Ah. Oui, j'ai pas dit gagner parce que je sais que c'est un voleur. Lui. Et des manigances. Par contre, si je gagne, tu seras à moi. Lui. Peu importe ce que je te dirai de faire, tu ne pourras pas refuser.
déguiser, même te déguiser en Gyakko. En quoi? Gyakko, par exemple. Non, mais le mec, il pète un plomb. Dégoûtant, ce mec, super... ce mec est super flippant. Enfin... C'est quoi tes paris? Comme si on allait accepter ces conditions. Ouais, t'as raison. Évidemment qu'elle va accepter, pas vrai? Vois-tu, toutes ces pièces que j'ai obtenues, elles appartiennent aux camarades de classe de Yui. Et leur dire. Alors, quelle est ta réponse? On en revient toujours au pouvoir, le pouvoir du combat, le pouvoir de gagner, c'est tout. Eh bien, je vais le faire, j'accepte tes conditions. Lui, il a changé de gunpla, c'est obligé. S'il propose ça, c'est qu'il pense avoir un gunpla plus fort et que la dernière fois qu'il était venu. Ah oh ouais, j'adore ce regard féroce dans tes yeux, c'est parti. S'il te plaît, aide-moi, je ne peux absolument pas perdre maintenant. C'est parti, mesdames et messieurs. Oh putain, le père. Elle a rien à faire dans sa vie. C'est parti, mesdames et messieurs. Les hostilités reprennent entre l'équipe de la résistance Side O et Shogo Morita de Shield of Ace. Comme toujours, ici Rinko Sakuno, en direct du club de diffusion, est prête à commencer sa transformation. Et maintenant, attention, combat Gunpla, c'est parti! Je vais vous faire regretter de passer votre temps à vous plaindre. Waouh, on est sur la lune! La claque! Donc, ça c'est tiré. C'est bon. Ah ok, protégé c'est là. Et voilà, c'est mort. Et je récupère tes pièces en butin. Merde, j'ai pas vu, elle était où la boîte? Du combat? Vas-y, viens. Allez, et il est mort. Oh, je suis où, quoi? Quoi?
Non, ça c'est la boîte rouge. Elle est là ma boîte. Ah oui, mais j'ai pas de pièces. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire après? Briser 10 conteneurs et détruire la cible. Alors, tenez ton épée. J'ai perdu des pièces. Il est là, lui. Hop, donne-moi ça. Tac. On gagne 8-3. Détruire 22 unités. Détruire la suite. Voilà. Ah, c'est code de son. La pièce essentielle. Et je me casse. Par contre, il y a un souci. La caisse n'est plus là. Elle est où ma caisse? Je sais même pas où je suis. Ah, elle est là ma caisse. Comment ça qui est échoué? Allez, c'est mort. Hop. Merde, j'ai fait... Ah bon, c'est pas grave, je le referai plus tard. On aura l'occasion de faire des pièces. Et de mieux jouer. Oui, je joue très très mal. Donc on a eu des trucs, on a eu des bras. Regarde vite fait. Même pareil. Force, pas. On l'a défoncé, hein, comme d'hab. C'est n'importe quoi. J'ai mis toute mon énergie dans la construction de ce gunpla. Et ces idiots ont quand même réussi à... Morita-kun, tu ne sais pas pourquoi tu as perdu. Vraiment, tu n'as toujours pas compris pourquoi tu as perdu? Ta
またまだ、たまたま。あとは、その転入生が余計なことしやがったから。Ferme-la ! J'ai eu de la chance. C'était un coup de bol et en plus, je suis sûr que le nouveau a triché. Ouais, forcément. Non, Morita, le problème vient de ton Gunpla. Gunpla ? Regarde-le. Désolé. Regarde-le, tu ne vois pas le problème. Un gunpla assemblé à partir de pièces volées. Est-ce qu'on peut même dire que c'est vraiment le tien? Oh, on peut enlever carrément. C'est comme ça que je construis le mien pour l'instant. Je pique des pièces et dès que j'ai des meilleures pièces, je les mets. Quand je disais que tu avais changé, c'est de ça dont je parlais après tout. Je m'amusais beaucoup quand je me battais contre toi auparavant, Morita. Et voilà. J'ai l'air d'un parfait abruti. Ouais, c'est vrai. Tiens, comme promis, les pièces sont à toi. So, ne. Sore wa watashitachi no mono janai. Anata ga ubatta hitotachi ni jibun de kaesu beki mono yo. Non, elles ne sont pas à moi. Va les rendre aux gens à qui tu les as volés toi-même. Ouais, d'accord, je comprends. Et pour l'autre condition. Sois pas stupide, nous sommes dans la même classe, on continuera à se voir. Affronte-moi de nouveau à l'occasion, avec ton vrai gunpla cette fois. Yui, ore no kanpai da. Yui, tu m'as battu dans les règles de l'art. Soyu koto nara, nando demo revenge shite yara. Ce qui signifie que je reviendrai pour me venger avec mon gunpla le plus fort jamais construit. Ce type n'a vraiment aucun amour. Il n'était pas si bête avant, enfin, je pense. Oh, j'allais oublier le nouveau. Je connais Yui depuis l'enfance. Ça. Si seulement je l'avais rencontré plus tôt. Peu importe, écoute-moi bien. J'ai peut-être perdu les Shield of the Place. Le conseil, ce combat n'était rien comparé à leur véritable puissance. Alors tu ferais bien de protéger Yu. Allez, à la prochaine, ne perds pas. Ah oui, c'est barré en courant, le gars. Morita Shion, Shosen Zako wa Zako ka. Side Zero. Kogo Morita battu comme un débutant. Side Zero intéressant. On va maintenant voir comment vous allez vous débrouiller face à mon équipe.
Là, ça va commencer à piquer, là, je pense. C'est quoi les missions? What? C'est quoi ces missions? Les missions d'événements? Missions d'événements? Spécial mission d'événement, extra mission 1, 2, 3, 4. Rembrandt 1, détail de la mission, combat, fleur de la mission spéciale. Choisissez votre adversaire pour combattre votre. D'accord, ok, bah c'est des. D'accord, c'est des trucs. On va affronter un truc spécial là, apparemment. Allez, on continue le scénario. この前のバトルで森田先輩に勝ったことにより、またサイドゼロの知名度が上がっているようです。On dirait que la réputation de Side Zero se développe bien depuis notre victoire contre Morita. それにあまり表立ってではありませんが、少しずつ賛同してくれる意見も出始めているようです。Notre équipe est encore confidentielle, ouais, enfin pas trop vu qu'ils ont reçu les autres. Et des opinions positives commencent à émerger petit à petit. Les gens commencent enfin à réaliser que la situation actuelle est acceptable. C'est pour ça que nous ne pouvons pas perdre. Ce n'est pas pour nous. Et pour les élèves que nous faisons tout ça. Oui. Je vais me faire un peu. Mais... Mariko ? Tout à fait. Maintenant, il faut qu'on s'entraîne. Et qu'on passe aux choses... Hein ? Mariko, je suis toujours regardé le téléphone, mais... Tu es tellement chatte-gai-sogashi, non ? Mariko, tu es arrivé à ton téléphone depuis tout à l'heure ? Tu as vraiment autant de conversations en cours que ça? Pardon, un camarade avait une question à propos d'un devoir. Les devoirs? J'avais presque oublié. Même avec tout ça, on est quand même à l'école après tout. Oui, c'est vrai. Je dois aller faire quelque chose. Je reviens vite. Comment ça sent le putain d'espion? Obligé, elle va nous trahir ou elle va dire toutes les informations d'autres. Marika n'est pas revenue hier. J'ai l'impression qu'elle est un peu à la masse ces derniers temps. Comme si quelque chose l'a tracassée. Bonjour tout le monde. Comment que vous allez? Ça va et toi, Marika? Je sais, ça va bien, la forme. Ah merde, je marche. C'est bon à entendre, surtout vu les cernes que tu as autour des yeux. Tes yeux sont un peu gonflés, non? Et suspect, elle a pleuré. En effet, c'est suspect. Est-ce que par hasard...
私ちょっと今日も用があるので すみません。Oh, Jésus, c'était très tard hier soir. Quelque chose à faire aujourd'hui, alors désolé, à plus. Attends. Problème ? Quelque chose la perturbe, c'est sûr. Tu as une idée, lui ? Ouais, pour l'instant, je vais essayer de la retrouver. Laisse-moi faire, Yui. Son comportement ces derniers temps. J'ai bidouillé le GPS de son portable. On peut savoir où elle se trouve. Oh là là, l'espionnage. C'est impressionnant, je crois. On dirait qu'elle se trouve là-dedans. C'est le deuxième club de... Ouah, ils ont aussi une borne là-bas. Silence, pas un bruit. J'avoue que cette équipe est incroyable. Il y a toutes les dernières nouveautés en matière de construction de Gunpla. Je dois admettre que je suis un peu jalouse. Alors pourquoi ne rejoindrais-tu pas notre équipe ? Et tu es ? Sakaki Shimon. So, Kanayaker Seibutai. Golden Cosmos no leader da. Shimon Sakaki, à votre service, leader de l'extraordinaire équipe d'Elite Golden Cosmos. Alors c'est de toi que Morika est amoureuse ? Quoi ? C'était ça ton idée, Yui ? Bien sûr, elle est toujours en train de bavarder, elle reste debout toute la nuit et elle a les yeux gonflés à force de pleurer. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Quand ça m'arrive, je... Enfin, je veux dire... Yui, s'il te plaît, sois sérieuse deux minutes. Oui, c'est vrai. Marika, à ma demande, a construit les Gunpla de notre équipe. Son talent au combat est proche du néant et elle est extrêmement douée pour l'assemblage. Oh, je le savais que c'était une... Je ne l'ai pas menacé ou obligé à le faire. Je méprise parfaitement ce genre de comportement immoral. Elle travaille pour nous et en échange, je ne détruis pas la vieille salle toute moisie du 8e club. Un échange de bons procédés en somme. En... Chantage. Un échange de bons procédés ? Comment pouvait-elle refuser ? Ce n'est pas un marché, c'est du chantage. Marika, viens ici. Je le savais, tu vois, je l'avais dit, c'est une espionne. Saviez-vous aussi qu'elle vous a trahi et qu'elle m'a donné toutes sortes d'informations concernant Side-O ? Je
彼女と行動を共にし、彼女を信じることができるとでも。Racel, je connais tous les points faibles de vos Gunpla. Alors vous continuez à lui faire confiance ? Moi aussi, je lui fais confiance. Nous faisons confiance à l'amour que porte Marika au Gunpla. Nous savons qu'il ne changera jamais. Attends, je suis pas ton senpai, c'est ma première année. Normalement... Ah, quoique, je suis peut-être... Bon retour parmi nous, Marika. Elle a pas eu le choix, c'était sous la contrainte de la menace. Et je vous ai trahi. Ne t'en fais pas pour ça. On a un leader sur lequel on peut compter. Et même si nous avons des points faibles, je crois en toi et je sais que tu t'occuperas de les faire disparaître. Oui. Mais tout d'abord, nous devons nous occuper des Golden Boy ici présents. Et allez-y, essayez donc. Je vous montrerai la puissance de tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent. Et là, t'allais là. Quelle merveilleuse coïncidence. Moi, Rinko Sakuno, passer innocemment devant la salle du deuxième club et que vois-je, un combat va avoir lieu entre Saido et Golden Cosmos. Je suis sûr qu'elle met des caméras dans les salles. Lié par l'honneur, appelé par le destin, le droit de commenter ce match me revient. Deux équipes, l'une avec le conseil, l'autre avec la résistance. Qui va emporter ? Les paris sont ouverts. L'affrontement commence maintenant. Attention, combat de Gunpla, c'est parti. Ah, c'est elle qui combat ? Elle a quoi? Elle a un gunball Markomol. On va voir. Ixo! Dans la neige! Shadow Moses. Voilà. Il commente le Gundam. J'ai pas bien vu, mais... Alors, on doit détruire des unités. Non, c'est... Où les unités à détruire? Non, ils ont pas fait les intérieurs comme. Ah non. Ah,
Attends. Ça va pas. Ils sont déjà à 1-0. Ils sont où les ennemis? Mais non, ça serait là-bas. What? Je vais te défoncer. C'est pas ça, puis... Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Détruire machin. On peut y aller. Leur caisse. Alors je suis désolé, hein, je suis un peu perdu, je connais pas la map. J'ai toujours du mal à repérer mon point, mais tu vois. Attends, je suis là, il y a un ennemi. Allez. Explosé. Je sais pas c'était qui, mais... Récupérer la pièce essentielle. Elle est où? Par ici, non? Ah merde, je suis en train de perdre. Mais non! Alors par contre, ça c'est... On a gagné!
je suis content parce que mes... Généralement, dans les jeux, t'as des amis, enfin les mecs qui t'accompagnent, c'est des bras cassés. Et là, là ça va. Là, c'est moi le bras cassé, et donc, même si t'es nul, ça passe. Ah, les bras, toi. Ouais, j'ai rien récupéré, mais bon. Là, cette map, c'était compliqué. C'est impossible! Comment mon magnifique Gunpla, ayant coûté une fortune, a-t-il pu perdre face à cette pièce bon marché? J'ai dépensé 100 fois. En quoi? 100 fois, 1000 fois plus pour le mien! Sans doute parce que l'argent n'est pas si important que ça pour construire des Gunpla. Quoi? Je veux dire, il en faut forcément un peu, c'est plus facile d'en construire quand on a de bons outils et il faut quelques pièces de qualité. Mais tu as beau dépenser des fortunes dans tes outils, tu ne les touches jamais. Tu laisses aux autres le soin de tout faire. Combattre avec un gunpla que quelqu'un d'autre a fait, pour toi, en soi ce n'est pas un problème. Et si c'est le cas, il faut encore plus aimer et chérir ce gunpla. Tu ne l'apprécies pas à sa juste valeur sentimentale, tu n'arriveras jamais à utiliser tout son potentiel. Sakurai. Je suis. Quoi? Elle a raison, je suis devenu tellement immobilisé par l'argent que je ne voyais même plus le gunpla que j'avais devant lui. Horrible, tout simplement horrible. Je ne peux tolérer cela. Side Zero no Shokun, 次は私自身のガンプラと勝負してもらえるだろうか。Mesdames et messieurs de Side O, j'espère que vous accepterez de me défier à nouveau et cette fois-ci j'utiliserai mon propre gunpla. もちろん。その時はマリカちゃんが最強のガンプラでお相手するわ。Bien sûr, et quand cette revanche aura lieu, Marika t'affrontera avec son gunpla le plus puissant. Ah bon? Évidemment, tu es une constructrice géniale, n'est-ce pas? Pour montrer ta force, tu devras combattre par toi-même. D'accord, je le ferai. Enfin, j'essaierai. Ah merde, je me disais c'est quoi, c'est les dates. Ah, c'est l'heure de la cantine. Ah non, c'est les cours sont finis. Très bien, les cours sont finis. C'est l'heure de faire du gunpla. Avoir vaincu Morita et Golden Cosmos à la suite a visiblement eu un gros impact. Gros impact.
Et non, après les cours, on fait du gunpla, on fait pas les devoirs. Apparemment, beaucoup d'élèves n'aimaient pas leur méthode. Et Saido est plus clair que jamais. Et ouais. Et maintenant, Marika peut construire ses gunpla librement. Alors, il faut qu'on continue coûte que coûte. Oui. Hello? Est-ce que Aioli est là? Non. Tant pis, je m'en vais dans ce cas. Sauf qu'une minute, c'est juste là. C'est qui au juste? Vous devez être Yui la jolie et Sakurai la timide. Je suis Chinatsu. Kamisaka. Ouais, pour une fille. La très chère amie d'Ayoli. Et vous pouvez m'appeler. Quoi? Chinuts? Chinuts, c'est quoi ce délire? Yui la jolie? Sakurai la timide? Et ça n'arrive même pas. Pardon, j'aurais dû vous prévenir. Elle est toujours comme ça. Je ne m'approcherai pas trop d'elle si j'étais. Oh là là. Aioli toujours en train de jouer la tsundere. J'ai même pas traduit. Enfin bref. Et j'ai un tout petit service à te demander. Est-ce que tu as entendu ce que... Bon, qu'est-ce que tu... Ah, c'est pour ça que je t'adore, Aioli. Bon. Tu sais que je ne dis jamais non à un peu de gun d'action, pas vrai? Ah ouais, quand même, gun d'action. De la gun d'action. Elle paraît un peu folle, comme ça. Mais elle semble aimer le gunpla. Aimer le gunpla? C'est ça qui me fait vibrer, ouais. Et j'ai un petit problème. Je connais l'équipe qui se fait appeler Airbrushed. C'est une bande de types bizarres et ils squattent tous les ateliers de peinture. Ça ressemble bien à Airbrush of Zeta. Encore une équipe sous la coupe du conseil des étudiants. Leur leader est Eh bien, en tout cas, ils n'arrêtent pas de se moquer de mon gunpla absolument génial et ils refusent que j'utilise leur équipement. C'est horrible, pas vrai? C'est du harcèlement même. C'est effectivement un problème. Dans la possibilité de peindre, faire un aspect très sympa de la personnalisation de Gunpla. Je vois, Yui la jolie comprend ma douleur. Elle, j'ai envie de leur botter les fesses. Allons leur mettre une raclée. Regardons ce Ouais.
Peut-être qu'on devrait d'abord aller voir si c'est vrai ou pas. Et puis si Airbus est vraiment du côté du conseil des étudiants, on va bien finir par devoir les affronter aussi, non? Celui qui hésite a déjà perdu. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. On doit être libre de décorer comme on veut. Allez, Zou, à l'attaque! Non mais la meuf, on la connaît même pas. Elle débarque, elle dit, vous pouvez venir pour taper des mecs? C'est gentil, mais... Gundam Action! Voilà! Ah, les mecs ont des trucs dans leur... Hein? Qui êtes-vous? Nous sommes Side Salad. Mince, c'est quoi déjà? Side Zero. Side Zero. Tu es Masumi Shiro, leader d'Airbus of Zeta, n'est-ce pas? Nous sommes là pour te défier, afin de pouvoir peindre librement. Ouais, un défi! Vous faites trop de bruit. Vous pouvez au moins frapper avant d'entrer. Senna? Qu'est-ce que tu fais là? Senna Daisuke. Le vice-président du conseil des étudiants, Daisuke Senna. Il a l'air calme comme ça, mais je sens une grande volonté émaner de lui, une grande force. Ce gars fait peur. J'ai entendu dire qu'une équipe formée récemment était suffisamment solide pour vouloir s'opposer au conseil. Malheureusement, j'ai une réunion que je ne peux reporter. Ça prend du temps de calmer les agitateurs. A trouvé gros pâté. On dirait bien que les rumeurs affirmant qu'il a le bras suffisamment long pour faire pression sur les dirigeants de l'école sont vraies, finalement. Tout le monde a son rôle à jouer. Oui, occupe-toi de ça, tu veux. Bien, monsieur, laissez Airbrush of Zeta et moi-même vous en charger. Nous vous enverrons notre rapport de victoire tout après le combat. Évidemment, je n'ai que faire d'un rapport de défaite. Bien, je dois y aller. Alors c'est toi le nouvel étudiant. Tu peux toujours essayer de nous résister, mais ça ne te servira pas à grand chose. Ok Side Zero, allons-y. Je vous présente mon Gunpla super spécial, totalement génial, grâce à mes talents de peinture. Ok, j'ai encore failli rater un affrontement. Ces combats imprévus me donnent du fil à retordre ces temps-ci. Mais bon, le spectacle continue. Et aujourd'hui, les peintres
Intitulé du conseil Airbrush aux États, espère bien éclabousser les révolutionnaires exubérants du Side Zero. Qui donc aura le meilleur coup de pinceau et remportera la victoire, les défenseurs du réalisme détaillé, les fans de la mode et de l'action, découvrons-le ensemble. Attention, combat gunpla, c'est parti. J'ai mal au dos. Elle a quoi, elle? Max Gundam. On est parti. Dans le sable, dans le désert. Détruisez 20 unités. Je veux bien, mais ils sont... Quoi ça s'était dit? Merde, j'ai pas eu. Ah, c'est le bordel. Alors, tombé, mais c'est pas grave. C'est par là où je dois aller. C'est quoi les quêtes? Détruire 20 unités, possible. Oh putain, je vais mourir! Ils m'ont détruit. Je
次のクエストではポイント獲得なるでしょうか。C'est bon, je l'ai. Il y a des pauses à la maison. Ouh. Merde, elle est pas là. BAM! J'ai explosé, je crois. D'un coup. Je sais pas si c'était ça. Si, détruire machin, si, je crois que je l'ai explosé. Ah, j'ai pas mis beaucoup de pièces, hein. Comment ai-je pu perdre contre ces amateurs? Shiloi, est-ce que c'est toi qui as peint ce gunpla? Bien sûr, j'ai trouvé des techniques spéciales pour un meilleur camouflage de combat. Et je l'ai peint moi-même. Je vois. Tu sais, quand je voyais ton travail auparavant, je le trouvais vraiment super. Et là, je ne sais pas. Quand je regarde ce gunpla, je ne ressens rien du tout. Il n'est pas intéressant. Tu es en train de dire qu'il est ennuyeux? Tu pourrais me montrer d'autres œuvres? Tu pourrais m'aider avec... Est-ce que on devrait d'accord, si tu veux, je pourrais te montrer tout ça plus tard. Je le dis d'avance, tu vas être bluffé. Rien à voir avec le gunpla dont je viens d'utiliser. C'est vraiment un cran. Tu m'as vraiment surpassé en somme. Ok, je comprends. Même ma peinture est ennuyeuse. Je n'avais pas le choix, je devais le faire pour obéir aux ordres du conseil des étudiants, pour empêcher l'équipe d'Airbrush of Zeta d'être... Exactement. Mais bon, puisque j'ai perdu contre vous, ça n'a plus d'importance. Notre équipe va disparaître. Alors du coup, je vais vous soutenir. Tu m'as complimenté sur mon gunpla, donc au moins, je sais que tu as bon goût. Et si j'ai confiance en quelque chose, c'est bien dans le... Shiroi-kun...
ただし、そいつの塗装ブース使用だけは認めない。Cependant, je ne permettrai pas à cette fille d'utiliser notre atelier de peinture. Quoi ? Allez, t'as pas le choix, tu as perdu. Ça n'a aucun rapport. Tu ne nettoies jamais quand tu as terminé. Tu laisses traîner de la peinture et des pinceaux partout. Et tu as peint mon Gunpla en rose sans me le demander. Tu as collé des bijoux fantasy dessus. Quoi ? Mais nettoyer, c'est nul ! Il était super beau en rose, tu trouves pas ? Absolument pas, c'est hors de question. Allez, je le referai plus, promis ! Donc c'était Shinatsu la fautive depuis le début. Bah ouais. Ouais, je m'en doutais aussi. Désolé, je me doutais bien que c'était le cas. Ouais, je savais que la meuf elle arrive en mode « Venez m'aider, ils veulent pas que je peins. » Et en fait, si tu connais pas toute l'histoire derrière, voilà. Non, Yori, ce n'est pas de ta faute. Comme tout va bien en ce moment, moi aussi je me suis un peu emballé. On ne peut pas vaincre la force par la force. Sinon, on ne vaudra pas mieux que le conseil des étudiants. Nous devons faire preuve d'intelligence. Il avait déjà compris, Mr. Button. Et tu as quand même été là pour moi. C'est pour ça que j'avais pas choisi la première réponse en mode on va les défoncer. J'avais choisi de... Attends, faut voir quand même ce qui se passe d'abord. Merci, il va falloir que je réfléchisse plus si je veux vraiment devenir plus forte. Ce serait encore plus joli avec de la peinture lamée or. Non, arrête, ne touche pas, non! Oh la relou, elle. Ah, une nouvelle fille, d'accord. Et. Oh bon, ça marche. Ça continue! Tiens, personne d'autre n'est arrivé. On dirait bien que c'est juste toi et moi aujourd'hui. Ouais, la salle du club semble plus grande quand les autres ne sont pas là. Il faut dire qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Ah, la coquine. Je n'aurais jamais cru qu'on arriverait aussi loin dans notre combat contre le conseil des études. Ouais, enfin là, on n'a pas fait grand chose. On s'est battu contre des mecs. Comment dire ? Lambda, quoi, c'est pas les mecs du conseil. Les mecs du conseil, il paraît qu'ils sont vraiment forts, donc voilà. Là, c'est les sbires, c'est le menu frottin. Au début, je pensais juste qu'il fallait que je prenne mes responsabilités après ma défaite. Je ne pouvais pas continuer comme ça sans rien faire.
悔いが残らないようにしよう。そんな風に考えてた。Il fallait que j'agisse pour ne pas avoir de regrets. Peu importe le résultat, c'est ce que je pense. Mais je me rends compte que ce comportement était égoïste. J'ai impliqué tout le monde. Je me suis reposé sur toi, donc on doit gagner. Je dois gagner. Je peux poser la question. Dans leur école, il y a des cours et tout ça. Bon, bref, il y a les devoirs, les examens, les machins. Mais comme c'est une école de gunpla et tout ça, quand tu sors de. Quand t'as ton diplôme et machin, t'es diplômé en quoi? En gunpla? Et ça sert à quoi dans la vraie vie, dans leur vraie vie à eux en fait? Ils trouvent quoi après comme boulot? Vendeur de gunpla en boutique? Sore ni seito kai ni nokotta mama no Ryoko no koto mo zutto kininatteru no. Ryoko est encore partie du conseil des étudiants. Ça aussi, ça me pose problème. Elle a forcément une raison pour. Je réfléchis trop, tout est embrouillé dans ma tête. Ouais, enfin, t'es pas obligé d'aller dans une école de gunpla pour construire un gunpla et aller combattre dans un tournoi. Après peut-être, il faut peut-être avoir été dans une école, machin, pour. Peut-être. Pour pouvoir participer à des championnats. Pourquoi je suis comme ça? Je suis le membre le plus âgé de Side Zero. La grande sœur du groupe, je dois garder la tête froide. Mais. Alors, ce qu'elle me raconte, soit je dis je m'en bats et viens on construit des gunpla, ou je lui dis je serai toujours là pour toi, tu sais, qu'un peu réconfortant romantique quoi. Bon allez. だけどこれは私自身で考えなくちゃいけないことだと思うの。Merci, mais je dois trouver la réponse à ces questions. Ah ouais, sinon elle peut pas évoluer. でもせっかくそう言ってくれるなら、私の気晴らしに協力してもらおうかな。Et bon, si tu insistes, tu peux bien m'aider à me distraire un moment.Ah, écoute là la coquine. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait une mission les deux. Ça te tente? Bien sûr. Ixo. On va missionner ensemble. Non, les boîtes. Non.
C'est bon, j'ai tout fait. Maintenant, comme d'hab, on affronte les mecs. Eh les gars, je suis là. Non mais c'est pas ça que je veux. Alors, détruire 20 unités. Cool, un sabre. J'espère qu'il sera bon. Alors, détruisez le Gundam X, il est où ? Je peux bien, mais... pété. C'est fait. Et la pièce. C'est où la boîte? Elle est là-bas. Elle est là. Une petite mission pépou. Il y a eu quoi? Il y a eu ça. Une sorte de sabre. J'espère que là, je l'avais déjà et je... C'était super, effectivement, ruminer toute seule dans mon coin pourrait mener nulle part. Bien, je me rends compte depuis longtemps déjà, quelque chose me tourmentait, de parler me fait. J'ai toujours pensé que c'était moi qui veillais sur toi, mais en fait c'est toi qui veilles sur moi depuis. Souvent je broie du noir dans mon cou et je perds de vue. C'est pas de vous. Quand ça arrive, tu es toujours là pour moi. Merci, Mister Ben. Oh là, c'est rapproché. Alors, sérieux, c'est pas juste. Non, tu... Oh! Elle me fait un câlin! Et ça te va? Un petit peu? Je reste un petit peu comme ça? C'est trop choupi! Là, elle va fermer les yeux, non? J'ai menti, pas qu'un
peu pour tout. J'ai toujours pensé, même quand on était petit, que ce serait génial si ce jour pouvait arriver. Alors, tu as été transféré dans cette école, j'ai pensé que c'était le destin. J'étais en train de sourire et elle me dit « Eh, il ne rigole pas !» Comment ils font? J'allais pas lui répondre, je serai toujours là pour toi. Je lui ai déjà dit, je serai toujours là pour toi. Elle est en pleine conversation, machin, je la laisse faire. Et je peux te promettre ceci. Toi et moi, ensemble, personne ne pourra nous battre. Il est arrivé jusqu'ici. Gagner. Encore un peu de patience, on va y arriver. What? Salut. Marika-chan, moskashite mata zutto tsukui no shita de. Marika, est-ce que tu es sous ce bureau depuis longtemps? J'ai rien vu du tout. J'ai rien entendu non plus. Pas même un éventuel bisou. Et là, va devenir tout ça. Ah, voilà. Il n'y a pas eu. Non, pas. Encore une journée bien chargée dans la salle du club. À ce que je vois, que n'avez-vous, c'est quoi ce délire? Que n'avez-vous pas fait vous deux? Vous embrasser? Ah, oh, ça fout le bordel! Bah, ça se peut, peut-être que voilà. On se bécote dans les recoins du club. Eh ben ça sert à ça un club. Non, je veux dire oui, on a pas. Enfin non. Une minute, comment ça se fait que tu es au courant pour ça, Yuri? Eh bien le conseil des étudiants va peut-être venir. Né par ici, on ne sait jamais. Alors j'ai installé des caméras de sécurité et des micros. Quoi, tu as vu tout ce qui s'est passé? Je suis super contente pour vous deux. Félicitations. Elle est super gênée. Moi j'aurais pensé qu'il y aurait eu un truc, tu sais, du genre elle aurait dit mais non, dis quelque chose machin, et tu sais, il y aurait eu deux réponses, une nier et une dire oui on s'est embrassé, et j'aurais dit voilà, on s'est embrassé. Il se passe pas mal de jours. Allez, on continue. Ah bah non! Dans un club, on fait pas du sexe. C'est pas un club de sexe. Déjà, c'est un club de maquettes, de gunpla. On peut faire des bisous. Quand il y a personne, allez, un petit bisou, voilà. Et non, on fait pas du sexe dans un club, on fait pas ça à l'école. On fait ça à la maison, du genre... les parents, ils sont pas là... voilà, quoi. Ah,
Ah merde, j'ai fait le con, je devais aller voir le... pour améliorer mon Gundam. Ah, le chat, il m'a détourné de mon ami. Bien, nous avons vaincu la plupart des équipes et au conseil des étudiants. Il nous reste plus que ce dernier. Ah, d'accord. Non, on attaque le conseil. Je pense qu'on a une chance au vu de notre situation. Ça ira, on peut y arriver. J'ai foi en notre équipe. Alors, allons-y. Je ne veux plus faire ce de gunpla en cachette. Torbutters, tu es prêt? Allons au bureau du conseil des étudiants. Hey! Je crois en vous tous. Parfait. Toute seule, ça aurait été impossible, mais avec nos forces combinées, on peut gagner. Le conseil des étudiants se trouve au bout de ce couloir. Et ils ont sûrement fermé la porte à clé pour éviter que tous les élèves puissent entrer. Ça va être dur d'y entrer si on n'en fait pas partie. Ah, tu tapes ? Pas fait ! Seuls les membres du conseil des étudiants possèdent la clé qui permet d'entrer dans ce bureau. Dans ces bureaux, pardon. Alors je me suis dit que ça pourrait être amusant de vous donner une chance d'obtenir celle-ci. Après tout, vous êtes des étudiants vous aussi. Menteur, dis ça uniquement parce que tu es persuadé qu'on n'a aucune chance de te battre. On va te le faire regretter. Tu ne manques pas de cran, toi. Bon, je suppose qu'il est temps de réunir mes troupes. Otori? Oui. Otori Ryoko. Team Laplace no tate leader toshite, fukukaichou no shugo o tantou shimasu. Oui. En tant que leader des Shield of Laplace, moi, Ryoka, Otori, dois protéger le vice-président. Ryoko? Ryoko? Ça va aller, Yui. Tu vas devoir affronter ton ami. Que ça va aller? Je ne pense pas. Mais je ne perdrai pas le droit de perdre. Ah, c'est sûr, c'est compliqué de lire le chat et de lire en même temps. Allez tout le monde! C'est parti! Et allez! Le combat que vous attendiez était arrivé. Inexorable montée en puissance de Side Zero va-t-elle être mise à mal par l'équipe menée par le vice? Par le vice-président en personne. J'avais lu vice-présidente, donc je dis pas merde. Ouais, ici Rinko Sakuto, club de diffusion, prête à vous
prête à vous faire part de tout ce qui va se passer sur le terrain. Et maintenant, l'avant-dernier affrontement avant le combat final qui déterminera l'avenir de Gunbrae High School va commencer et qui sera encore debout une fois la poussière retombée sur le champ de bataille. Attention, combat Gunpla, c'est parti. Bon là ça va être tendu. Gros pâté! Ouais, j'ai toujours pas changé son nom, c'est vrai. Oh, ça claque! Des éléments rebelles qui perturbent notre... Imaginez qu'on puisse... qu'on pourrait faire ça. Comme je le disais tout à l'heure, je me suis remis à l'animé Gundam Build Fighter et bah c'est pareil quoi, c'est les combats de Gunpla et c'est génial. Ah tiens. C'est moi ou je me fais violer là? Je vais mourir. Je me casse. Attends, y a pas de caisse? Il a. Non, il y en a qui, il y a quelqu'un qui me soigne, ça c'est cool. Il se barre lui. Je me suis fait... Non, dis-moi pas que je me suis fait prendre en... Si, j'aurais peut-être pas dû. Je crois que je me suis fait prendre en... Ouais. Bien joué les filles. Je récupère des pièces et je suis à vous. キーパーズの運
Alors. Détruire 20 unités, pas encore. C'est bon. Où je sorte. Ah là-bas, vite. Je j'ai perdu le fil. Là. Ah bordel. Il est où? Il est là. Elle est où la pièce? Ils sont échoués. Oh putain, je me casse. Ah, c'est chaud, hein. Allez, le but, c'est bon. Et où l'autre? Ah bah. Bam! Je l'ai tué. Alors, j'ai eu ça. Ouais. 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 Ça, j'avais déjà. Je crois que c'est mes jambes. Ah non, même pas. Je vais déjà, ça je vais déjà. Okay. Side Zero. Masaka. Korehodo no chikara to wa na. Ii daro. Yakusoku dori kono kaado ki wo yaro. Si on m'avait dit que Side Zero était aussi fort. Enfin bref. Chose promis, chose. La clé est à vous. Daga. Oboete oke. Et n'oubliez pas, aucun d'entre vous ne fait le poids contre moi ou le président du conseil. Yuki, au saigo, ma de tanosimase de miro.
essayer au moins de l'amuser un peu. Et toi, Otori, tu as échoué. Le conseil des étudiants est désormais interdit. Entendu. Waouh, elle s'est fait virer. C'est parti. T'as pas l'air si embêté que ça. Est-ce qu'il se donnait pas à fond? Quoi? Ryoko! Ryoko! Mon, muriyari seitokai no tame ni hatarakanakute ii nda yo. Watashi tachi ga mamoru kara. Tu n'as plus besoin de te forcer à rester dans le conseil des étudiants maintenant. Nous pouvons te protéger. Non, Yui, c'est faux. Quoi? Je ne me forçais pas à travailler pour eux. Je voulais rester au sein du groupe. Je pensais que si je pouvais atténuer ne serait-ce qu'un minimum les tensions entre les étudiants et le conseil. Et je sais que je n'ai pas le droit de vous le demander. Je le sais très bien, mais... Pourriez-vous le sauver, le président, pour moi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste quelqu'un de très déterminé à propos de force, à propos de Gunpla. Je l'admirais. Et le nouveau système que Senna a créé a tout corrompu. Pourtant, il agissait dans l'intérêt de Yuki au départ. Bref, nous avions tort. Senna a tout changé afin de servir ses propres intérêts. C'est impardonnable. Après ça, je ne sais pas si je peux encore soutenir le regard des anciens membres. Je sais que tu me détestes. Ah ouais, donc apparemment, jette dans les bras de tout le monde, donc... D'accord, donc j'étais pas le seul. Ryoko, ma chère Ryoko, changera donc jamais. Tu aimes tellement le Gunpla que tu ne sais pas quoi faire. Tu essaies de paraître calme et apaisé, mais tu débordes d'amour pour le Gunpla. Tu le sens même quand nous combattons depuis la première fois où je t'ai affronté avec Saïd Zero. Oui. Tout va bien, les gens finiront par ressentir ta gentillesse. Ce sera peut-être pas immédiatement, mais elle finira par se répandre, par les atteindre. Du moins, c'est ce que je dis. Le moment viendra où tous les élèves de l'école
et même le vice-président réaliseront ce que tu cherches à faire. Alors ne te tracasse pas trop, laisse-nous faire, tu n'as plus à porter ce fardeau toute seule désormais. Tu es vraiment devenue plus forte. Là j'ai dû affronter beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses en effet. Tu sais quoi? Allons chercher des donuts à la supérette près de la gare, comme on faisait avant, et on discutera de tout ça. Je vais aussi appeler les anciens membres du conseil, d'accord? Oui, oui, d'accord. Bonne idée. Entendu. Et d'abord, on a encore du plein sur la planche. Servetters, Yuri, Yurika, allons-y. Non, c'est pas ça. D'abord, on va voir si je peux améliorer mon gun. Je peux rajouter une technique. Bon, ah si. Corps à corps break. Alors, non. Putain, toujours pas d'armes. Je vais devoir rester avec la vieille hache. De la hache. Pistolet, non. Deux propulsions, pardon. Regardez vite fait, on a débloqué comme il y a pas mal de pièces, on va regarder ça. Donc, de toute façon, on va le faire ça vite fait, c'est la fin. J'ai l'impression. Je pense que c'est le dernier combat. On regarde un peu les gunpla. Ah, celui-là, je le connais, je l'ai vu comment on appelle ça? Ah, dans l'anime que je regarde, là, Gundam Bullfighter. Il y avait un mec qui l'avait reconnu à sa tête. Waouh! Pour travailler sur les chantiers? Pas mal. C'est le même, c'est le vieux.
quelqu'un. Je sais pas, j'ai du mal à voir les changements dessus. Waouh! C'est quoi ces trucs sur ses genoux là? C'est ergonomique. Pas mal avec son bouclier comme ça. Okay. Et aussi, comme ça, pas mal. Aussi. Wow. Oh le gros. Encore plus gros. C'est un artilleur, mais bien quoi. Bon gros artilleur. Voilà mes petites ailes. Waouh. Pas mal les ailes. Pas mal celui-là aussi. Le Blitz Gundam avec un drill, tout ça. J'en ai vu un quand je regardais sur des sites pour en acheter un, le Gundam. Il y avait une sorte de cape. Genre qui est un peu déplié au vent avec des trous dedans et tout, ça claquait bien. Donnait envie. Ah, j'étais tombé sur celui-là aussi, le Astray Red. J'ai envie de dire que il a le côté un peu samouraï, donc celui-là il. C'est vrai qu'il claque pas mal quoi. Je partirais bien sur celui-là en fait. J'ai trouvé pas mal de pièces de lui. J'ai trouvé ses bras. Son bouclier. Je partirais bien sur ce modèle là en fait. Après ce jeu là pour le faire en vrai. Combien d'argent? 2, 3, il y a 10 GP. D'accord, j'ai 536 800. Ça va pas. 2, 3, 4. Ah oui, donc c'est ça. C'est 50 000 pour une pièce. Et j'ai 500 000, d'accord. Sept par échelle. Ça, 7 par... Ah ouais, oui. 350k le modèle, d'accord. Oui. Je sais pas c'est quoi le truc dans son dos. Et avec les couleurs et tout, il... C'est un stray, d'accord. Le Golden Farm... Pas mal aussi.
Un stray aussi. Deuxième modèle. On va rajouter un truc, ouais. Wow. Unité de vol, il s'appelle. C'est juste le même que celui-là, mais sauf qu'ils ont rajouté des ailes. Oh ! Astrée Red Dragon. C'est peut-être cool les trucs qu'il y a dans son dos et tout ça. Et moi j'aime pas trop. Pas trop. Oh là là. Je trouve que ça fait trop après. J'aime bien ce modèle là. Parce qu'il est simple en fait. Il n'y a pas trop de trucs dans son dos. Il est pas mal. Là, regardez-moi ça. Regardez les trucs. Regarde le truc comme il dépasse. Non mais. C'est trop. Waouh, regardez celui-là aussi. Barbatos. Pupus. Rex. Pas celui-là que t'as? Tu vois? Ouais. Ouais, c'est celui-là que t'as. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Par contre, le truc dans son dos, t'es d'accord avec moi, ça sert à rien. Et voilà, j'ai fait le tour. Écoutez, vous savez quoi? Je vais me prendre celui-là. Même s'il est petit, s'il est pas. Ah oui, j'avais dit que je regarderais ça. Ça, c'est les cornes. Des trucs pour rajouter en fait ça. Les têtes de dragon. Ouais, donc en fait j'avais regardé, je m'étais dit que je partirais bien sur celui-là. Donc je vais le prendre pour le tester en vrai en fait. Et on va le prendre en 140. En 144, pardon. Hop. Alors, tête.
Ah oui, j'ai un sabre sur le côté, mais je peux pas l'utiliser. C'est génial! C'est génial. Il y a un sabre et je peux pas. Ah si, il est là le sabre. Il y a un katana, on va prendre ça. Même si c'est moins fort, ça sera mieux que. Grand, en plus, la même. Waouh. Ah oui. Je lui laisse. Ouais, je lui laisse un bouclier. Messieurs. Elle est partie, les gars. Attendez. Oh, j'ai son nom. On va enlever gros pâté, hein, il y a plus. Je vais l'appeler comme ça. Voilà. C'est parti. Souhaitez-moi bonne chance parce que là ça va être dur. Kono card key de seito kaishitsu ni haireru hazu yo. Minna, kakugo wa ii? Cette clé devrait nous permettre d'accéder au bureau du conseil. Est-ce que tout le monde est prêt? Hai. Koko made kitara shouri aru nomi desu. Oui, nous sommes arrivés jusqu'ici. Il ne nous reste plus qu'un combat à gagner. Ganbarimasu. Mou nigemasen. Je ferai de mon mieux. Je ne m'enfuirai plus. Tu es prêt, Mr. Butters? Ok, allons-y. What? C'est quoi ce bordel? C'est le bureau du... C'est le bureau du conseil des étudiants? Il y a des pièces de Gunpla partout, on dirait la chambre d'un homme. Ah, Side Zero no minna. Ah, je pense que c'était terminé. Ah, Side Zero, Mr. Busters, je vous attendais. Gambura Gakuen Seitokai Kaichou, Shina Yuki da yo. Sasuga ni minna shitteru ka. Je suis Yuki Shina, président du conseil des étudiants de Gunpla High School. Vous le savez déjà. Entrez, n'ayez pas peur, mettez-vous à l'aise. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Quoi, faites comme vous voulez. Vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est bien. C'est un combat. Vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est bien. Ranking nante kini suru hitsuyou nai sa. Boku wa tada tsuyoi aite to yaritai dake nan da. J'espère au moins que vous allez me rendre ça distrayant. Je me moque complètement de votre classement. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des adversaires à la hauteur. Zonbun ni na.
最高の状態で戦えるよう、わざわざこのような段取りを整えたのだから。Aucun problème. J'ai pris un peu d'avance et j'ai organisé les meilleures conditions possibles pour notre combat. どういうこと? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Bah, qu'ils ont truqué. Voilà. Il a mis les meilleures conditions de terrain pour lui et pour leur gunplay à eux. Voilà, ils ont mis le bazar, quoi. Croyez vraiment avoir réussi à grimper jusqu'au sommet uniquement grâce à votre talent? Vous avez remporté bataille après bataille presque sans problème. Et vous ne vous êtes pas dit que tout se déroulait un peu trop bien? Les rivaux d'un niveau raisonnable apparaissent les uns après les autres. Une montée progressive de la difficulté. Plutôt pratique, n'est-ce pas? Il y a de nombreux autres étudiants bien positionnés dans le classement et pourtant aucun d'entre eux a essayé de vous arrêter, pourquoi? Impossible! Tu contrôlais tout depuis le début? Je refuse d'y croire, il bluffe! Ils auraient dû mettre dans le jeu un système de classement où ils auraient dû mettre un système de classement où ouais où le but c'était ça aurait été d'affronter toutes les teams pour arriver jusqu'en haut et être le premier pour pouvoir après affronter le conseil. Que vous l'acceptiez ou non, ne fait aucune différence. Sachez simplement que nous avons bien plus de pouvoir que tout ce que vous pouvez imaginer. Satisfaire Yuki est le seul objectif, la seule mission que possède cette école. Tu as sacrifié l'école tout entière juste pour toi? Une seule personne? C'est pas une histoire de quantité après tout. Les faibles sont faibles, peu importe qui soit. Ça va, c'est blabla inutile. Les détails n'ont pas d'importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est que je m'amuse. En tant que plus fort, c'est mon droit, mon privilège. Ça te pose un problème, peut-être? Oui, c'est mal. C'est horrible et injuste. Et je vais te le prouver. Pour Ryoko, pour tout le monde. Parce que ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est un gentil, c'est un méchant. Intéressant, eh bien, montrez-moi tout ce que vous avez dans le ventre. Le combat pour l'avenir de l'école commence maintenant. Side Zero contre Laplace Nest.
le symbole de la résistance contre l'équipe personnelle du président au conseil des étudiants. Je suis Rinko Sakuno et je risque ma peau en force en fonçant vers le bureau du conseil étudiant. Mais n'ayez crainte, le club de diffusion ne reculera devant rien pour vous offrir une retransmission de ce nom. L'affrontement décisif va commencer, le sort de l'école se joue maintenant. Les paris sont ouverts pour les combats Gunpla du siècle. Attention, combat Gunpla, c'est parti. Vous aussi chez vous, croyez en moi. On va faire changer les choses. Allez les filles, on est parti. Oh, comment il est beau. Bon, je vais pas changer la couleur parce que normalement je le veux pas en cette couleur là, mais disons qu'on va le prendre en legit quoi. Je voudrais un peu plus Seul l'effort annonce les faibles. Allez, c'est parti. Par contre, la structure de combat elle est pourrie. Vous êtes sérieux là? Vous êtes déjà tous sur moi? Je me suis fait défoncer. À l'aide. Ah bordel, arrête de... Mais non, pas ça. Ah. Ça m'énerve ça. Voilà. Non, lui. C'est bon, il est mort. C'est bon, on me soigne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrête, bordel! Je sais pas ce que j'ai fait. Non, c'est pas ça. Oh
Non, c'est pas ça. Pas ça. Pas grave. Ouah, le Gundam. Il est très grand. Oh, je vais mourir, j'ai pas fait gaffe, bordel. Oh, comment on les explose, 16-6. Et voilà, il est mort. J'ai su une défaite. Peut-être plus fort que prévu, mais en même temps, c'est bien pour ça que Yuki surveillait. Ce qui est le plus amusant, d'arracher la victoire à quelqu'un qui est persuadé. C'est vraiment bon, s'il vaincre le vrai moi. On va tellement s'amuser. Oh lolo. Explosé, je peux pas mettre mon bouclier. Ça sert d'en avoir un. Et où le bouton du bouclier? Si, c'était là. Allez, tout le monde. Suivant. Enfoiré. Pourquoi je touche à ça? Voilà, t'es mort.
Oh, je suis encore mort. Ils sont en train de nous exploser. Ah oui, il faut refaire les missions. Merde, je croyais que c'était juste où il fallait les éclater. Alors, où je me trouve un truc. Ça y est, c'est le moment. Le moment ils sont on l'a. Allez fort. Ah bordel. Non, fond. Oh. Si, c'est bon. Ah ouais, il a perdu. Non, on a encore une troisième phase, je pense. Oh. Yata, on a gagné les amis. Je lui ai explosé sa petite gueule. Récompense. Une pièce obtenue, vous n'avez aucune. Okay. Comment ai-je pu perdre moi, malgré ma volonté et ma supériorité? Je suis désolé, Yuki. Bon, c'est Side O ou Side Zero? J'ai du mal à, quand je l'entends, j'ai du mal à savoir s'il dit side O ou side 0 parce que j'ai entendu 0 tout à l'heure. Je suis désolé Yuki. Side O largement dépassé toutes mes prédictions. Non Daisuke, ce n'est pas ta faute. C'est de la mienne. J'ai été faible. Est-ce que je peux raconter une histoire? Ça concerne un tournoi de combat de Gunpla quand j'étais encore un. J'ai perdu la finale contre Mr. Butters. Mr. Butters. Eh ouais, je l'ai éclaté et je m'en souviens même plus. Ah, soda. Boku wa toji make shirazu datta kara ne. Ano haisen wa wasure yo ga nai kurai yoku oboete iru yo. Exact. À l'époque, j'étais invaincu et cette défaite m'a profondément marqué. Je ne l'oublierai jamais. Bokura no battle no jitsuryoku wa hobo onaji datta. Keredo,
Nous avions à peu près le même niveau, mais... Kare no Ganpura wa... Mawari no otona tachi no chikara wo karita mono datta. Mr. Butter, c'est son gunpla. Tirer leur force des adultes rassemblés autour de nous. Boku wa satotta yo. Subete ga taitou de fair da to shinjite ita Ganpura no sekai mo. Otona ya okane no chikara kara jiyu ni naru koto wa dekinai tte. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Même dans le monde Gunpla, l'équité est censée être la règle de base. L'argent, l'adulte, grave. C'est pourquoi j'ai voulu que seule la force règne en maître dans cette école, afin que le Gunpla soit à nouveau équitable. C'était aussi avec Mr. Butters à l'époque. Donc je sais comment ce gunpla a été construit. Oui, Mr. Butters a reçu de l'aide de son entourage. On lui a donné des conseils. Il a emprunté des outils et du matériel. Mais au final, Mr. Butters a construit tout seul. C'était son gunpla. Bien à lui. Sans aucun doute. Aucune importance que les personnes qui l'ont aidé soient des adultes ou des enfants. C'était ses amis. Alors ils ont combattu ensemble. Et c'est ça qui comptait. Je vois. C'est ce qu'on est depuis le début. Des amis nous ont aidés à l'époque. Comme maintenant. Et finalement, Senna est isolée de tout le monde et t'a laissé tout seul. Quoi? Des larmes? Je pleure? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je pleure? Parce que t'es un faible! Dégage, maintenant je prends ta place! Je déconne! Je déconne! Pourquoi les larmes n'arrêtent pas de couler? Pardon pour le bruit. Ce sont des larmes de regret ou des larmes de joie? Je ne sais pas, je... C'est des larmes de faiblesse. Je suis content de l'avoir abattu et qu'il se mette à pleurer, machin. Fais penser à Dark Mist. Ce genre de... Dark Mist, c'est ce genre de personne, en fait. Égoïste, qui rabaisse les autres. Pour lui, il y a des gens faibles et des gens forts, machin. Mais bon, faire avec, quoi. Ce sont des larmes de joie, de regret, de soulagement. Et quoi? Quel est ce sentiment? Je croyais que le combat Gunpla... on recommence. Je croyais que le combat Gunpla n'était plus qu'un jeu. N'était plus qu'un jeu d'enfant ennuyeux et sans importance. J'en veux plus. Je veux encore me battre. Ce sentiment qui
qui grandit en moi ne s'arrête plus. Je suppose que vous êtes pareil finalement. Pareil. Lui et moi. Comment ça? Tu ne comprends pas? Explique-lui, Mr. Butters. C'est simple. On aime la baston. On aime quand... la bagarre. Quand ça, quand, voilà, quand il faut se taper, quoi. Je suis un constructeur de Gunpla. Je vois. Oui, j'en suis un, n'est-ce pas? C'est ça. Je suis un constructeur de Gunpla, donc. J'adorais le Gunpla. Tu as enfin compris? Tu ne croyais quand même pas que quelqu'un qui collectionne les Gunpla et dispute autant de combats avec les détesterait, pas vrai? D'ailleurs, à ce propos, j'ai remarqué quelques pièces rares là-bas qui ne sont pas à vendre. Alors, est-ce que je pourrais les avoir? La meuf, elle est en train de gratter! Une minute, ces pièces appartiennent au conseil des... Ah ouais? Vu que je t'ai battu, maintenant c'est moi le conseil. Donc maintenant les pièces m'appartiennent. C'est QFD. Bien sûr, prends-les. Fais-toi plaisir. Yuki! Daisuke, je suis désolé. Je sais ce que je veux faire maintenant. Et ce n'est pas me terrer dans le conseil des étudiants. Mr. Butters, tu veux bien qu'on s'affronte de nouveau un de ces jours? Bien sûr. Merci, mais pour l'instant... je déclare dissous le conseil des étudiants ici présents. J'ai l'impression que ce nettoyage n'en finira jamais. Il y a tellement de trucs partout. On aurait dû dire à Shina et Senna de démissionner après avoir tout nettoyé. Ryoko et les autres ont dit qu'ils repasseraient plus tard pour filer un coup de main, mais j'ai l'impression qu'on va quand même y passer la semaine. Ça fait bizarre de revenir dans le bureau du conseil des étudiants en tant que membre. Désolé de ne pas pouvoir rester longtemps, vu que je suis en troisième année, mais... Prends-en bien soin, Président Butters. Elle s'est rapprochée. J'ai lu trois mots de la phrase.
Ah, la coquine. Oh, au fait, les professeurs ne viennent pas dans cette salle. Et seuls les étudiants membres du conseil peuvent entrer. Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'est que tous les deux ? Alors, je n'ai jamais pu t'entendre dire ce que tu pensais de... Si, si, je voulais te demander... Et allez, Atchoum, elle est là. Encore, c'est une blague, j'espère. Pardon, Yori m'a dit que quelque chose d'intéressant arriverait aujourd'hui et que je devais me cacher sous le bureau. Mince, la mission d'amour a été un échec. Dommage, tant pis, on attendra la prochaine occasion. Je peux attendre 3 ans de plus. Oh, regardez, elle est gênée. Toi aussi, Ryoko. Mais qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? On n'est pas sur un champ de bataille, là. Bon, d'accord, il n'est pas trop tard, Mr. Better, viens avec moi. Ah, ils se sont enfuis. Allez, on en a assez fait pour aujourd'hui. Laissons-les un peu et demain matin, on aura une montagne de travail à faire pour le conseil des étudiants. Ouais, commencez par ranger là. Je suppose qu'au fond, de travers des Gunpla qu'on communique le mieux. Et j'aime tout le monde dans Side O ou Side Zero. C'est juste que... Me battre à tes côtés, c'est vraiment parfait. J'ai l'impression de pouvoir être moi-même. Alors continuons comme ça ensemble pour toujours. C'est une promesse. Notre mission ensemble commence maintenant. J'avais appuyé. Et voilà. Mes amis. Oh. Aventure. Gundam New Breaker. C'est fini. Mais une nouvelle aventure commence. La vôtre. L'aventure où vous allez construire votre premier Gunpla grâce à ma vidéo. Parce que vous vous êtes dit, ouah, ça a l'air génial. Même si vous ne pourrez pas les faire combattre. Fabriquez-en un. Pour le plaisir et la beauté. Et puis, regardez les animés. Que je vais mettre dans la description de la chaîne de la vidéo YouTube sur l'épisode 1 et sur celui-ci avec Gundam Build Fighter Dry, Gundam Build Dive
et Gundam Build Dive je ne sais plus quoi. Voilà. Et comme ça, moi, je finirai les... J'ai pas débloqué, en fait. Je pense qu'il faut que je... Faut que tout soit en S, peut-être. Et après, il y a tout ça, mais bon. Ça, c'est pour récupérer des pièces, je crois. Attendez. J'avais fait le 1, mais... Je vais voir le 2. Formez votre équipe... lors du premier round d'extra mission qui inclut Zoom, héros de la guerre d'un an et opération Stardust. Et tentez votre. Testez vos forces contre les suites de 0ZZL. Ouais, c'est des. C'est des trucs par rapport au. À l'anime. Les derniers. Ouais. Oh. On va se finir. Non. On va se finir comme ça. Attendez que je fais ça. Tac. Voilà. Arme, voilà. Avec un katana dans les mains. Non, attends. On met le katana. J'ai perdu mon katana. Il est là. Voilà. Voilà. Donc, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous conseille, même si vous voulez tester un jour, d'en construire un. Vous êtes, ils sont quand vous les achetez les Gundam. Si sur la pochette de la boîte ils sont d'une certaine couleur, ou si vous le voyez comme ça, il est blanc et rouge, quand vous l'ouvrez, vous n'avez pas besoin de le peindre, il est blanc et rouge. Après, si vous voulez passer une étape supplémentaire, vous pouvez les peindre de la couleur que vous voulez. Mais sinon, ils sont déjà peints. Donc voilà. Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Oh, pardon, excusez-moi, je me suis tiré. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais encore faire 2-3 recherches. Mais normalement, je vais acheter en vrai ce gunpla là, qui est le Astrae je sais plus comment il s'appelle, c'est Astrae, Fram machin. Et ouais, puis je vais le construire. Je vais le construire. Je vais le construire cet été. Essayer de. Ouais, juin, juillet, août. Ouais, je pense qu'en 3 mois, je vais. Ce sera mon premier. Je pense qu'en 3 mois, je vais le faire. Je vais réussir. Donc voilà, bah, merci encore d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu, une nouvelle aventure. Sur ce, prenez soin de vous, construisez des gunpla, et à ciao les amis.